Quel est selon vous l'intérêt de cette journée porte ouverte pour votre filière ? Bah, y a double intérêt. Premièrement, pouvoir présenter un petit peu notre équipe et ce qu'on peut faire de particulier en seconde pour les élèves qui viennent de collège. Mais aussi un intérêt aussi pour nos élèves du coup de seconde qui sont actuellement dans ce lycée, de se rendre compte de ce que c'est que la spécialité SVT, puisqu'entre la seconde, donc ce qu'on fait de la SVT en seconde, et ce qu'on fait en spécialité SVT, il y a un peu des différences. Donc voilà, c'est à la fois pour les élèves qui viennent de l'extérieur, mais aussi pour ceux qui peuvent venir de chez nous. Vous êtes prof de maths, que présentez-vous à cette journée porte ouverte ? Eh ben, on présente le contenu en maths. Dans ces temps difficiles, c'est pour les maths, puisque de moins en moins de futurs élèves apprécient les maths. Donc on va essayer de les rassurer sur le niveau des maths. S'il y a des amoureux des maths, il faut absolument les attirer et redonner un peu de gloire à cette matière. Et donc on espère qu'il y aura un public plus conséquent à l'avenir pour ça. Et vous préparez quoi actuellement comme pliage ? Bah justement, on était parti voir une exposition Jordan O'Keeffe. Et bah du coup, on a fait des petits patrons, comme on fait des origami, pour qu'ils puissent voir bah en fait le résumé de ce qu'on avait appris. Moi, j'ai pris la spécialité e-tech. Ça a défini tout ce qui est côté mécanique. On va modéliser des pièces en 3D. On va voir comment on résiste sous certaines pressions, etc. Donc, c'est vraiment ma spécialité. Mais il en existe plein d'autres, hein, comme l'informatique, l'architecture et encore la gestion de l'énergie. Quel est ton projet plus tard par rapport à TSP ? Personnellement, j'aimerais intégrer l'année prochaine une prépa scientifique TSI qui est réservée pour notre filière, donc qui est avantageux, et puis une école d'ingénieur, et j'aimerais me spécialiser dans l'aéronautique ou l'aérospatiale. Au bac, on a la spécialité physique et mathématiques qui sont liées et qui sont co-F16, donc il faut avoir quand même un bon niveau scientifique pour intégrer cette filière, pour accéder à des écoles préparatoires par exemple, et il y a l'ingénierie du coup, qui ne demande pas un grand défi, mais quand même un sérieux pendant les TP, parce que beaucoup de TP, après il y a des cours qu'on doit apprendre et il y a des contrôles. Et par exemple là, en fin de terminale, on accorde un grand projet où tout le trimestre est dédié à faire un grand projet. Est-il important de bien maîtriser les langues vivantes ? Alors, quand on veut intégrer une école d'ingénieurs, l'anglais c'est primordial, et même dans d'autres filières, l'anglais est primordial. Mais pour la STI2D en elle-même, c'est du tronc commun et c'est pas le plus important. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Guillaume Kérou, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Monsieur Kérou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Restaurant Télévision, merci de nous accorder quelques instants. Vous avez déjà fait la visite du lycée, vous êtes un ancien élève de Restaurant. Pourquoi est-ce important pour vous de revenir aujourd'hui à cette journée porte ouverte ? C'est important parce que c'est ma jeunesse. Et la jeunesse, elle est au cœur de mon projet en tant que... président de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes aujourd'hui à imaginer l'économie de dans 10 ans. Et l'économie de dans 10 ans, ce sont les jeunes, ce sont les lycéens, c'est vous qui allez faire effectivement l'économie de nos territoires, les métiers de demain. Et je suis vraiment très content d'être là pour cette double raison. On entend parfois des réflexions sur Rostand, comme quoi que c'est un lycée où il y est dur d'apprendre, un lycée où on est moins favorisé pour le futur. Pour intégrer des écoles, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela, monsieur ? Moi, ce que je peux répondre, c'est que tous mes copains de promo de Rostand ont tous réussi leur projet professionnel, leur projet de vie. Ils ont tous fait ce qu'ils voulaient faire, ils ont tous réalisé leurs rêves. Certains sont devenus inspecteurs des impôts auprès des très grandes entreprises. Un de mes copains de basket, qui est aujourd'hui président d'ailleurs de l'association de basket de Mantes,
Antoine Gomis, peut-être certains le connaissent, qui était voilà, qui a réalisé son rêve, alors que nous, on était, on ne savait pas quel était le monde du travail. On était effectivement, on était un peu coupé au Val-Fouré et à Mantes. On était un peu coupé finalement de tout ce qui se passe dans notre territoire, de tout ce qui se passe dans la région Île-de-France. Et aujourd'hui, on est tous des acteurs engagés de cette économie. Et c'est plutôt valorisant, je pense, de venir de Mantes avec, vous l'avez vu, un très bon classement au palmarès des meilleurs lycées du département, et j'en suis très fier. Quels sont vos projets pour l'industrie dans les Yvelines et dans le Mantois ? Alors les projets, on a trois sujets. On a déjà, nous avons été élus, nous sommes 30 élus, nous avons été élus par les 132 000 entreprises du département qui représentent à la fois les industries, les commerçants et les entreprises de services. Et nos projets, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Rostand, c'est de reconnecter les différents partenaires de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle pour permettre toutes les conditions de la réussite de la France 2030. Donc on travaille sur un projet à longue échéance pour reconnecter déjà tous les acteurs du territoire, pour former les talents de demain et construire les entreprises et les industries de notre territoire de demain, parce que vous l'avez vu avec la crise sanitaire, beaucoup d'industries et d'entreprises ont été percutées de plein fouet par cette crise sanitaire et ont dû accélérer leur transformation. Donc aujourd'hui, voilà, ensemble, c'est recréer les conditions de la réussite de nos territoires de demain. Et je suis très fier, en tout cas, de représenter Mantes-la-Jolie et le lycée Rostand. Merci. Une double question pour terminer. Du coup, comme vous l'avez dit, l'industrie a été durement touchée par le Covid. Et depuis un mois, il y a la guerre en Ukraine. Selon vous, quel serait l'impact sur l'économie et comment, justement, la CCI gère cela ? Bah aujourd'hui, ici, on l'a vu, la pandémie, on a vu les problématiques liées à la globalisation. On consomme des produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Et là, on s'aperçoit avec la crise, après la crise sanitaire qui n'est pas finie et qui va probablement encore durer longtemps, on s'aperçoit que la crise de l'approvisionnement, notamment sur l'énergie, et on n'avait pas forcément perçu que une crise de l'énergie, les Russes étant un gros fournisseur d'énergie pour l'Europe, et pour la France et l'Allemagne, qui sont France et Allemagne, deux des principaux industriels de l'Europe. Et donc finalement, ça percute de plein fouet notre industrie automobile, notre industrie aéronautique, bref, de mécanique de précision, toutes nos industries. Du fait de cette guerre. Alors il faut falloir vivre avec, il va falloir développer des formations et c'est là où il y a, je pense, une véritable opportunité pour le lycée Jean Rostand, des formations plus résilientes qui vont permettre peut-être de travailler sur les circuits courts, sur l'environnement, on a vu que c'est des sujets de préoccupation, et puis sur l'industrie du futur, et une industrie qui puisse aussi relocaliser un certain nombre de filières dans notre département. Et ça va être l'un de mes grands projets sur la relocalisation une dizaine de filières d'excellence pour notre territoire, pour rester l'un des piliers de l'industrie régionale. On est le premier département industriel régional, et on est l'un des premiers au niveau national, et peut-être aller beaucoup plus loin avec l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, peut-être le calcul quantique, qui vont peut-être intégrer les formations de demain et qui sont la base de cette économie que nous devons construire ensemble avec vous les jeunes. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais envie de changer le monde, mais j'avais aucune idée de ce qu'était une entreprise. Je n'avais pas du tout comme projet de créer une entreprise. Et je n'avais surtout encore moins comme projet de devenir le représentant des entreprises d'un des plus grands départements de France. Et c'est un honneur
pour moi de continuer ce travail que j'ai entrepris au lycée et peut-être même avant au collège. Merci en tout cas pour cette question et cette interview. Merci. J'en suis honoré. J'ai du coup une dernière question. Êtes-vous optimiste du coup pour les mois à venir ? Ah, moi, je suis Alors, quand j'étais salarié, bon, j'étais pas forcément très très optimiste parce que j'encaissais les coups, je voyais le train passer. Comme chef d'entreprise, j'aime bien l'entrepreneur. J'aime bien donner la définition. Je fais un peu de latin au collège. Interprendere, qui saisit avec la main, qui se saisit des problèmes. Et donc, voilà, j'ai plutôt cette nature plutôt optimiste à transformer des menaces, finalement, en de véritables opportunités, en saisissant à bras le corps les problèmes qui nous percutent de plein fouet, mais qui sont, je pense, une opportunité pour créer des choses nouvelles et des choses très positives. Merci beaucoup, j'espère que vous reviendrez. À très bientôt sur Rostand Télévision. Merci à tous.